dzisiaj jest panem prezesem nadzorczym prezesem firmy Naturex, a wcześniej z inicjatywy Komisji Rozwoju i Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miejskiej Jasło oraz Burmistrza Jasło. 21 listopada odbyło się już spotkanie z panem Segan, dyrektorem przemysłową grupy Naturex S.A. i panem Reszkę, dyrektorem zakładu Pektorin S.A. W tym spotkaniu wzięli udział radni Rady Miejskiej Jasła, a także skarbnik, cały zarząd, oczywiście też pracownicy Wydziału Strategii. Podczas tego spotkania dyrektor Segan scharakteryzował grupę Naturex oraz przedstawił zamierzenia wobec zakładu Pektorin. Natomiast dzisiaj gościem pana burmistrza był pan prezes Lambert, prezes firmy Naturex, który uszczegółowił pozostałe niewyjaśnione kwestie związane z rozwojem firmy. Biorąc pod uwagę państwa zainteresowania, także głosy mieszkańców, którzy są, szczególnie są zainteresowani losem Pektorinu, postanowiliśmy umożliwić to spotkanie z prezesem Naturexu, który przedstawi państwu te informacje, które zaprezentował podczas dwóch wcześniejszych spotkań na Radzie Miasta. Dziękuję bardzo. Bonjour à tous. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous parler en polonais, mais c'est au-dessus de mes forces. Je pense que la reprise de Pektorin par Naturex a suscité et pas mal d'intérêt, pas mal de questions à Jasło. Et cette entreprise qui était une entreprise implantée depuis longtemps sur Jasło, qui a été encore un employeur important dans la région, ważnym pracodawcą w regionie, jednym z największych pracodawców w regionie. Suscite forcément beaucoup d'intérêt. To na pewno wywołało dużo zainteresowania. Et on se pose toujours beaucoup de questions quand une entreprise comme celle-là est privatisée. Zawsze zadajemy sobie dużo pytań w momencie, kiedy taka firma jak ta zostaje prywatyzowana. Or, quelques mots peut-être sur Naturex tout d'abord pour expliquer pourquoi nous avons racheté Pektorin. Naturex, c'est une entreprise qui a cette année 20 ans. Naturex est une firma, qui a 20 ans. Et qui produit des ingrédients naturels à partir de plantes. Ça représente environ 1300 salariés dans le monde, à peu près 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous sommes présents dans 22 pays, avec une quinzaine d'usines en tout. Les ingrédients naturels que nous fabriquons sont vendus à des industriels. Naturex ne fait pas du tout de produits grand public. Naturex nie produkuje żadnych produktów gotowych. Mais fait seulement ce qu'on appelle dans le jargon du B2B. Robi coś, które w jargonie nazywamy B2B. Donc vous ne trouverez pas de Naturex dans les supermarchés de la région. Także nie znajdą Państwo produktów Naturexu w supermarkecie. Mais il y en a peut-être à l'intérieur des produits que vous achetez au supermarché. Nous réalisons à peu près 60% de nos ventes dans l'alimentaire. Et 35% à peu près dans des produits santé.
A 35% to około, to są produkty związane ze zdrowiem. Ça peut être pour la santé des gélules santé qu'on peut acheter en pharmacie ou supermarché. Ou ça peut être carrément dans des produits pharmaceutiques. Pour l'alimentaire, qui est la plus grosse partie de notre activité, on fait différentes sortes d'ingrédients. Jeżeli chodzi o tą część spożywczą, przemysłu spożywczego, on fait les couleurs naturelles, produkujemy barwniki naturalne, des antioxydants naturels, antyoksydanty naturalne, des poudres de fruits et légumes, proszki z owoców, des texturants comme la pectine, takie produkty jak pektyny, etc. Je ne vais pas vous donner toute la liste de nos produits. Combien il y en a 2-3 000, ça serait un peu long. C'est dans cette partie alimentaire que s'inscrit pour nous l'acquisition de Pectowin. Le premier objectif, c'était bien sûr d'augmenter dans le groupe notre activité dans le domaine des pectines. Takim podstawowym celem przy przyjęciu pektowinu było zwiększenie naszej produkcji pektyny. Pour lequel on a déjà une usine de production de pectine en Suisse. Ponieważ mamy już jedną fabrykę pektyny w Szwajcarii. Mais le principal objectif, c'était surtout de s'installer en Pologne. Ale takim najważniejszym celem to też było jakby zlokalizowanie jakiejś fabryki w Polsce. Pour y faire des concentrés et des purées de fruits. Aby produkować koncentraty oraz przecieje owocowe. De fruits et de légumes. Owocowe i warzywne. Les concentrés, les purées de fruits et de légumes, ça peut servir à différentes choses. Koncentraty oraz przecieje owocowe i warzywne mogą służyć do Ça va, c'est pas trop dur. Ça sert à faire des poudres de fruits et de légumes, dont nous sommes le leader mondial. Mogą one służyć do produkcji proszków owocowych i warzywnych, czym jesteśmy liderem światowym. Ça sert parfois de colorant en tant que tel. Te produkty służą również jako barwniki żywności. Et ça peut servir, dans un certain nombre de cas, de produits aromatiques. Voire, ça peut être la base pour certains produits santé ou pharmaceutiques. Donc pour nous, le choix d'acquérir Pectowin, c'est d'abord le choix de la Pologne. Wybór tej fabryki, tej fabryki Pectowin, to przede wszystkim wybór lokalizacji w Polsce. Et d'une région agricole diversifiée. Zróżnicowanego regionu rolniczego. Et en plus avec des possibilités de culture assez écologiques. Z możliwością upraw w miarę ekologicznych. On a besoin en fait de produits de qualité. Potrzebujemy danej jakości produktów. Et notamment pour aller vers des marchés comme le baby food. Aby produkować produkty z gamy baby food. Donc c'est dans ce contexte-là que nous avons acheté Pectowin. Qui, comme vous le savez, était une entreprise qui connaissait des difficultés. Pectowin, c'était une entreprise qui a perdu l'an dernier près de 6 millions. Jest to firma, która w tamtym roku straciła
zapłaciłam około 6 milionów. Notre objectif, clairement, et c'est ce que Frédéric Seguin a dit en notre nom au conseil municipal, c'est de continuer et développer l'activité de Fectoby. Jak pan Seguin Państwu powiedział w tamtym tygodniu, naszym celem jest kontynuowanie produkcji koncentratów. On n'a pas acheté Pectowin pour fermer Pectowin. Nie kupiliśmy Pectowin po to, aby zamykać. On a acheté Pectowin pour développer l'activité. Kupiliśmy Pectowin po to, aby rozwijać działalność. Et à terme, développer l'emploi. I rozwijać zatrudnienie. Et développer sur ce site des activités nouvelles, par exemple. Również rozwinąć nowe działania. Par exemple, je peux vous dire que on va mettre en place une activité de recherche-développement. Na przykład mogę Państwu już powiedzieć, że będziemy chcieli takie nowe działo tworzyć, działo badania i rozwój. Dès 2013 sur le site de Pectowin. W 2013 roku w firmie Pectowin. Aujourd'hui, en fait, c'est la première année. Hein. On a commencé à prendre les choses en main au printemps. To jest dopiero pierwszy rok. Przejęliśmy dopiero wszystkie sprawy na wiosnę. C'est la période un peu difficile. Jest to okres trochę trudny. Où il a fallu arrêter des activités déficitaires. Musieliśmy zamknąć działalności, które przynosiły straty. Qui était pas dans notre métier d'ailleurs. Które też nie były w naszej, nie należały do naszej działalności. Et qui n'avait pas d'avenir. I które nie miały przyszłości. C'est la première fois en fait dans l'histoire de Naturex qu'on est amené à diminuer les effectifs quelque part. To jest pierwszy raz w historii Naturexu, gdzie musieliśmy zmniejszyć zatrudnienie. C'est quelque chose de pas agréable du tout. Nie jest to nic przyjemnego. Mais d'indispensable et je pense que le personnel de l'entreprise le comprend bien. Ale było to niezbędne i myślę, że pracownicy Pectowinu dobrze to rozumieją. On n'a pas fait que ça, heureusement, en 2012. W 2012 roku nie zrobiliśmy tylko wyłącznie tego. En 2012, on a commencé à investir sérieusement. Naturex a investi au 31 octobre déjà près de 6 millions sur le site de Pectowin. Do 31 października Naturex zainwestował już tutaj około 6 milionów złotych. Pour moderniser ou pour acheter des nouveaux équipements. A w celu zmodernizowania lub sprzętów maszyn, które już istnieją oraz w celu kupienia nowych. On a commencé aussi à faire cultiver des produits pour nous. Zaczęliśmy również tutaj kontraktację upraw produktów dla nas. Et cette année a été un peu une année d'apprentissage. Ten rok był takim rokiem, w którym uczyliśmy się dużo. L'an prochain, Naturex va continuer à investir sur le site. W przyszłym roku Naturex będzie kontynuował inwestycje w zakładzie. À la fois dans le process, dans les machines. Zarówno w proces, w maszyny. Et aussi dans la protection de l'environnement. Jak również w ochronie środowiska. Puisqu'on va lancer, dans des conditions qui restent à préciser, une station de traitement des eaux. Et on va, même avant que cette station soit réalisée, on a déjà, mais on va encore faire plus de progrès dans la diminution des rejets d'eau. Zanim jeszcze ta stacja powstanie, są już dokonane inne inwestycje, które mają pozwolić na zmniejszenie zanieczyszczeń. Je ne vais pas vous faire un discours d'une demi-heure. Hein. Juste avant de répondre à vos questions, je crois qu'il faut être clair. Pectowin, c'était pour Naturex un investissement stratégique. Chciałbym właśnie, żeby było jasne, że Pectowin
à moyen et long terme. Il va falloir encore probablement 2 ans pour finir de redresser cette entreprise qui était lourdement déficitaire. Mais nous ferons ce qu'il faut pour que ça marche et tout Naturex est mobilisé en ce sens-là. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je pense que c'est aussi l'occasion d'un échange et de répondre à vos questions. Przed konferencją gościli Państwo burmistrza miasta Jasła. O czym rozmawialiście? On a parlé exactement de tout ça. Dokładnie mówiliśmy o tym wszystkim. Et de la façon dont les autorités municipales sont prêtes à nous aider. Urząd miasta może nam pomóc. Czy w jaki sposób urząd miasta może pomóc? Je pense que c'est un peu tôt pour être très spécifique. Je crois que ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on peut compter sur le RED. Et notamment dans le domaine de l'organisation des contacts dont on peut avoir besoin. Et également pour approcher les problèmes de financement, de subvention européenne. À terme, probablement pas. Je pense que dans quelques années, ça s'appellera Naturex. C'est important, quelque part, qu'un jour ça s'appelle Naturex pour l'image des produits vis-à-vis des clients. Ważne jest, aby kiedyś ta firma przyjęła nazwę Naturex ze względu na wizerunek produktów, które są tam produkowane. En fait, le même client, par exemple en République tchèque, na przykład mamy klientów, on va lui vendre des produits qui vont venir de Pologne, mais aussi de France. Klienci z Czechów będą kupować produkty, które będą pochodzić z Polski, jak również z Francji, d'Italie, des États-Unis. Et si le client il a l'impression qu'il y a des noms différents pour tout, on n'aura plus cette image de fournisseur global d'ingrédients à l'industrie. Donc je pense que l'intérêt du développement de ce site, c'est de faire comme on a fait partout, en Amérique, en Italie, en Espagne. C'est d'appeler tout Naturex pour que le client ait bien la conscience d'un groupe global qu'il faut vivre. Jakie działy przynosiły największe straty, jeśli chodziło o samą firmę Pectovin? Które czynniki były jakby najbardziej uniemożliwiające taką prawidłową działalność firmy Pectovin? Les départements, tous les départements étaient déficitaires, y compris la Pectovin. Wszystkie wydziały przynosiły straty, łącznie z Pectiną. Les plus déficitaires étaient quand même le département des vins. Jednak to wydział win przynosił największe straty. Et dans une moindre mesure des conserves. Oraz troszkę nie w takim znaczeniu, ale również wydział soków.
Ça tient principalement à l'évolution du marché des vins de fruits. Depuis l'ouverture de la Pologne, l'intégration de la Pologne dans l'Union européenne, ces boissons traditionnelles d'Europe de l'Est n'ont plus vraiment marché. Elles sont remplacées par la bière, le vin et les autres alcools. Pectowin représentait à peu près 3-4% du marché national. Et ce marché national baisse à peu près de 10% par an. En fait, les seules sociétés qui s'en sortent bien dans les sociétés traditionnellement dans les vins de fruits sont celles qui ont progressivement introduit d'autres boissons dans leur gamme. Et du coup, au fur et à mesure que l'un baissait, l'autre montait. Mais Pectowin n'avait pas pris ce virage-là. Et aujourd'hui, c'est un peu tard. Il y a 10 ans, l'activité de vin aurait pu être vendue. Mais aujourd'hui, elle n'intéressait plus personne. Ja chciałam zapytać o zatrudnienie. Już odeszło na zasadzie dobrowolnej odejść 60 osób. Czy planują Państwo dalsze? I jak ma być docelowa liczba pracowników w Pectowinie? Les réductions d'effectifs ne sont pas terminées aujourd'hui chez Pectowin. C'est difficile aujourd'hui d'être extrêmement précis parce qu'on est en fin de phase de réorganisation. Mais si vous voulez, après la fermeture des départements vin et jus de fruits, disons comme ils appellent ça, il est clair que cela fait apparaître des sureffectifs dans un certain nombre de départements de l'entreprise. Par exemple, il y avait un département marketing qui ne s'occupait que de ça. Qui envoie encore quelques personnes aujourd'hui et qui n'a plus de raison d'être. Il y avait des activités au magasin qui étaient communes à toutes les divisions. Et évidemment, quand il n'y a plus l'activité vin et conserve, il y a moins d'activités. Donc, 2012, ça a été le début de la réorganisation et effectivement une réduction significative d'effectifs. 2012 rok to jest początek reorganizacji, początek redukcji zatrudnienia. Et 2013, ça sera la fin de ce mouvement-là. A w 2013 roku będzie zakończenie tego procesu. Tak. Czy to cały czas będzie się odbywało na zasadzie odejść dobrowolnych, czy też, które wchodzą w ten program, zakończy się i później na przykład mogą być zwolnieni?
Je continuerai à essayer de privilégier les départs volontaires. Będę próbował się właśnie ciągle jeszcze wdrażać ten problem, żeby mogli podejść z pracy. Je ne sais pas, enfin, pour que les départs soient volontaires, il faut deux, il faut que l'entreprise et les salariés. Z pracy było dobrowolne, musi być z dwie strony zgodne. Mais en tout cas, ça s'est plutôt bien passé en 2012. Et on essaiera de continuer comme ça. C'est quelque chose que nous devrons, le cas échéant, discuter en interne avec les organisations syndicales. Jest to coś, co będziemy musieli przedyskutować ze związkami. Avant que je puisse vous répondre publiquement. A zanim będę mógł Państwu publicznie odpowiedzieć na to pytanie. Mais il n'y a pas de raison fondamentale pour qu'il y ait de grosses différences. Ale nie ma jakiejś racji, jakiejś powodu, żeby tu miała być jakaś duża różnica. A wiadomo, jaka będzie liczba tych osób, które tam sobie zwolniły? Nie. Jeszcze mam jedno pytanie. Pan wspominał o dostawcach, z którymi chcecie współpracować. Chciałam zapytać, jakich produktów ewentualnie to dotyczy, jaka skala, co Państwo chcecie do swojego produktu? Mówimy o tak, o rolnikach. C'est une liste relativement longue. On va probablement vouloir traiter des fruits rouges. Mais aussi, comme cette année, des carottes, des choux, du radis, de la betterave. Et c'est difficile d'être beaucoup plus précis aujourd'hui, mais il ne s'agit pas de dire, à part la pomme qui restera un grand produit, on ne va pas chercher à faire un grand produit, on va chercher à faire beaucoup de produits moyens. Poza jabłkiem, który jest takim produktem, którego będzie potrzeba dużo, będziemy się starać znaleźć, kupować mniejsze ilości, ale różnorodnych owoców, różnorodnych produktów. Ce qui est important dans le monde d'aujourd'hui, ça n'est pas de chercher forcément à produire en grande série, mais de chercher à produire des produits de qualité qui peuvent apporter de la valeur ajoutée. W dzisiejszym świecie to, co jest najbardziej ważne, to nie jest produkcja dużych ilości jakichś produktów, ale produkowanie czegoś dobrej jakości, niekoniecznie w dużych ilościach. C'est la condition de faire des produits bien ciblés, de bonne qualité sur le plan agricole. To jest pozwolenie, aby zrobić produkt dobrze zaplanowany, dobrej jakości. Qui donne des produits industriels bien construits. Który będzie produktem przemysłowym dobrze skonstruowanym. C'est la condition pour arriver à être meilleur en qualité que les concurrents, je sais pas, chinois ou indiens. To jest również warunek po to, aby być najlepszym na rynku i żeby być konkurencyjnym, lepszym niż konkurenci, na przykład tacy jak na przykład Chiny. Et l'avenir de Pectowin est vraiment dans la qualité. Qualité des produits agricoles et qualité des produits industriels. I przyszłość właśnie Pectowinu jest właśnie w tej jakości produktów produkowanych, jak również tych dostarczanych producentów okolicznych. Donc il est probable que dans quelques années on fera 10, 15, 20, 30 produits différents. Być może, że za 15, 10, 20 lat będziemy robić, że za 10 lat będziemy robić 15, 20 różnych produktów tutaj. 15, 20?
Od 15 do 20, tak? Nie, no to jest... To jest tylko tak... metafora. To jest tylko metafora po prostu. Może być 5, może być 10, może być 15. Czy od roku już znaleźliśmy jakiś taki element, który w tym momencie przyniósł zysk? Czy zabytkowy pisz Luis i Daniel, tam od czy cały czas jedziemy w straty? Cette année, l'entreprise va perdre moins d'argent que l'année dernière. Mais va perdre, au 30 septembre, elle perdait 3 millions. Na 30 września firma ciągle przynosiła straty w wysokości 3 milionów. L'an prochain, j'espère qu'on va se rapprocher de l'équilibre. W przyszłym roku mam nadzieję, że osiągniemy taką pewną równowagę. Et qu'on sera à l'équilibre en 2014. I będziemy mieli utrzymamy tą równowagę w 2014 roku. Faut bien comprendre que cette année, on a commencé avec des produits comme la carotte, par exemple. On a fait cultiver des carottes spéciales pour faire des extraits. W tym roku zaczęliśmy z takimi specjalnymi produktami, na przykład marchew. Przerabialiśmy taką specjalną marchew. Et comme dans tous les produits agricoles, on apprend année après année. Donc on a appris plein de choses cette année. Tak jak przy innych, przy wszystkich produktach rolnych uczymy się co roku. W tym roku też dużo nauczyliśmy się. Et du coup, on sera bien meilleur l'année prochaine. I będziemy dużo lepsi w przyszłym roku. Et cette saison nous a surtout aidé à bien voir quels étaient techniquement les investissements nécessaires. Ten sezon pozwoli też nam zobaczyć, jakie są jeszcze potrzebne inwestycje techniczne. Pan prezes mówił o tym, że będzie to nowa wprowadzona linia Baby Food. Skoro byłaby wprowadzona, to czy wtedy mówimy się, że będą nowe zatrudnienia? Już później po tych latach. Non, c'est deux sujets différents, c'est-à-dire que produire des produits pour du baby food, ça veut dire avoir des matières premières de qualité. Ponieważ produkcja produktów dla baby food to jest będzie możliwa przez przetwarzanie produktów odpowiedniej jakości. Avec très peu de pesticides. Et du coup, après ça, on peut, si on a bien surveillé les cultures, on peut utiliser ces produits-là pour faire des produits de baby food. Et jeżeli dobrze ta uprawa będzie przebiegać, jeżeli będziemy kontrolować uprawę tych surowców, później będziemy mogli użyć tego produktu do produkcji. Mais ça ne veut pas dire, tout ce qu'on va faire de nouveau, ça ne veut pas dire que l'an prochain les effectifs vont augmenter. L'an prochain, je le disais tout à l'heure, on sera en fin de réorganisation et les effectifs vont continuer à diminuer. Będziemy pod koniec tego etapu reorganizacji i pracownicy ciągle będą zwalniani. Ça s'accompagne probablement toujours de quelques embauches quand même, et notamment sur des qualifications qui n'étaient pas présentes dans l'entreprise. Będą jednak w samym czasie zapewnione nowe osoby na stanowiska wykwalifikowane, takie, które do tej pory nie istniały w firmie. Mais ce n'est pas avant 2014 qu'on peut espérer retrouver une croissance des effectifs. Ale myślę, że przed 2014 roku nie możemy się spodziewać jakiegoś wzrostu zatrudnienia. Ja mam pytanie, czy firma Naturex pomimo produkcji i swojego interesu, który będzie tutaj prowadziła, będzie również angażować się w życie kulturalne i społeczne naszego miasta? Tak.
par s'engager dans la vie culturelle. Co pan rozumie tym przez to angażowanie się w życie kulturalne? Na przykład sponsoring różnych imprez, czy pomoc dla szkół, na przykład. Pourquoi pas? Dlaczego nie? Il n'y a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voulez, on est dans une situation d'urgence où il fallait s'occuper, où il faut toujours s'occuper d'arrêter des pertes. Mais Naturex, en général, aime bien s'engager dans ce genre d'activité. On finance une équipe de basket de notre personnel aux États-Unis. La Fondation Naturex a financé des travaux dans l'école à côté de notre implantation au Maroc. Nasza Fundacja Naturex finansowała szkołę obok naszej fabryki w Maroku. Donc ce sont des exemples pour en citer des tas d'autres. Vous voyez qu'on n'est pas hostile à ça. Après, il s'agit de s'insérer petit à petit dans le tissu local. On arrive. No, a poza tym jeszcze trzeba tak jakby wdrożyć się w to życie tutaj lokalne i zapoznać. Trzymamy Was za słowo. To tak, przepraszam bardzo, gdyby Pan mógł powtórzyć, w ilu krajach Państwo macie fabryki i na rynkach, w ilu krajach jesteście obecni? Où sont nos usines? D'accord. Alors, sur le plan des usines, nous avons 15 usines. 15 usines. L'une au Maroc. L'une en France. Je vous les cite par ordre. Dans l'histoire de Naturex. Après ça, les États-Unis, en Californie. Dans le New Jersey aussi aux États-Unis. En Italie. En Espagne. Au Royaume-Uni. En Angleterre. Au Brésil, en Australie, j'ai dû en oublier, mais on a. Ça, ce sont les principales, et j'ai oublié les deux grosses usines de Suisse. Donc, c'est. Évidemment, vous devez rajouter vous-même la Pologne. Toutes ces usines, à part les deux premières, ont été acquises comme nous avons acquis Pectovin en Pologne. Et toutes, nous les avons développées. En ce qui concerne les implantations commerciales, il y en a 22. Donc on est dans 22 pays. On est en fait soit avec l'usine, comme aux États-Unis, en Italie, en Espagne, en France. Et puis on a un certain nombre d'implantations commerciales où on n'a pas d'usine, comme en Allemagne. En Belgique, en Russie. Si, ou au Canada, ou au Mexique. En fait, c'est important pour Naturex d'être présent dans le monde entier. Parce qu'il y a 10 ans, la demande pour les ingrédients naturels
Ponieważ 10 lat temu zapotrzebowanie na składniki naturalne c'était seulement États-Unis, to dotyczy, było tylko rynku, Europe occidentale et Japon. Rynku Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej i Japonii. Mais depuis le début du XXIe siècle, ale od początku XXI wieku, la demande est forte dans les pays émergents. Potrzebowanie jest bardzo silne w krajach rozwijających się. Et les pays émergents qui représentaient presque rien dans notre chiffre d'affaires il y a 10 ans. Kraje rozwijające się, które 10 lat temu nie wchodziły, ale przedstawiały żadnego procenta w naszym obrocie. Représentait 8% il y a 4 ans. 4 lata temu miały już udział w naszym obrocie. Miał już 8% udział w naszym obrocie. Et 17% cette année. I 17% w tym roku. Donc c'est un élément de croissance important et c'est un débouché futur important pour Pectoline. Jest to jeden z bardzo ważnych elementów naszego wzrostu, jak również jest to właśnie taki element, który pozwoli na rozwój. Ja tylko jeszcze chciałam zapytać, jak wśród tych fabryk 15, które Państwo macie, jak jest usytuowany Pectoline? Chodzi mi o to, ze względu na jakąś specyfikę produkcji, czy jaka jest jego rola? Ça ressemble pour la partie pectine à notre usine suisse. To jeżeli chodzi o część produkcji pektyny, no to przypomina troszkę fabrykę w Szwajcarii. Même si à la fin les deux produisent des pectines assez différentes l'une de l'autre. Mimo tego, że produkt końcowy pektyna jest różni się od pektyny szwajcarskiej. Et pour la partie concentrée, il n'y avait pas d'usine de concentré chez Naturex. Jeżeli chodzi o produkcję koncentratu, do tej pory nie było fabryki w Naturexie, która by produkowała koncentraty. C'est bien pour ça que Pectoline, pour nous, c'est un investissement stratégique. To dlatego właśnie Pectoline jest dla nas taką inwestycją strategiczną. Et en plus, quand on aura réussi à produire suffisamment de concentré, on a en interne, pour les autres usines qui font des poudres, déjà un client pour trouver. Jeżeli uda nam się produkować te wszystkie koncentraty w Pectowinie, mamy już wewnątrz klientów, mamy fabryki, które będą mogły przerobić te koncentraty na proszki, czyli mamy po prostu klientów już na ten wyprodukowany koncentrat.